did guile and gimble in the way. All amusing were the warbles and the mongrats out of grey. Avant de commencer, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Alice au Pays des Merveilles pour suivre cette petite théorie. Alice, une jeune fille curieuse, poursuit un lapin blanc et tombe dans un étrange terrier, se retrouvant ainsi dans un monde fantastique. Tout au long de son périple, elle cherche à retrouver le lapin blanc pour pouvoir retourner chez elle. Dans ce monde surréaliste, elle rencontre une série de personnages étranges et extravagants, dont le chapelier fou, le lièvre de Mars, le chat du Cheshire et la reine de cœur. Dans son aventure, Alice change également de taille à plusieurs reprises de manière incontrôlable, participe à un thé qui tourne mal et se retrouve impliquée dans un procès absurde. Finalement, Alice tente de contrôler son propre destin et de quitter d'elle-même ce monde insensé. Quand elle se réveille, elle ne sait pas si tout était réel ou le fruit d'un simple rêve. Je me suis toujours demandé si Lewis Carroll n'avait pas caché dans l'intégralité de son œuvre quelque chose me permettant de mieux comprendre ses personnages et ce qu'ils représentent. Je me suis alors penché dans un premier temps sur son véritable nom, Charles Ludwig Dodgson. Il transforme les composantes en latin, Charles devient Carolus et Ludwig devient Ludovic. Puis l'auteur revient à l'anglais, Ludovic en Lewis et Carolus en Carol. Cette part de réel, nous la retrouvons dans l'intégralité de son œuvre, sous la forme d'une psychobiographie. Car en étudiant son enfance, ses relations familiales et amicales, j'ai pu constater comment ses expériences personnelles avaient influencé ses histoires fantastiques. Tout comme avec son pseudonyme, Lewis Carroll use de codes pour intégrer dans ses histoires les trois filles à qui il les racontait lors de promenades. Ces trois sœurs étaient les filles du doyen du collège Christ Church de l'université d'Oxford. Ainsi, Lorina Charlotte, Edith et Alice deviennent dans les livres Elsie, Tilly et Lacey. Voici comment on peut le décrypter. Pour Elsie, L et C en anglais sont les initiales de Lorina Charlotte. Tilly était le surnom anglais pour Edith et Lacey est un anagramme de Alice. Comme l'a écrit Jenny Wolfe dans son livre, Lewis Carroll semble avoir également une obsession pour le nombre 42. On le retrouve partout dans ses livres, comme la réponse à certaines énigmes, ou l'âge de la Reine Rouge qui a 37 044 jours, le même âge que la Reine Blanche. La somme des deux faisant 74 088, nombre égal à 42 x 42 x 42. Ou encore dans le tribunal avec la fameuse règle 42. Rule 42. All persons more than a mile high must leave the court immediately. I am not a mile high. De plus, le nombre d'illustrations de John Tenniel dans le livre Alice au Pays des Merveilles était exactement de 42. L'adaptation cinématographique d'Alice au Pays des Merveilles par Disney a de son côté, sans le savoir, gardé les traumatismes et obsessions de son auteur. Celui-ci tentant d'échapper à la réalité tout en y reflétant les aspects de sa propre personnalité. Ce sont d'abord des historiens qui ont cherché des similitudes entre le personnage d'Alice et l'entourage de l'auteur. L'idée qu'elle soit inspirée de la jeune Alice Liddell, que l'écrivain photographiait dénudée alors qu'elle n'avait que 9 ans, est encore à ce jour controversée. Pourtant, de multiples détails évidents pour moi montrent que le personnage d'Alice est bien fondé sur le caractère et les manières de la petite fille, comme par exemple le nom de Dinah, qui était bien le nom du chat d'Alice Liddell. Inspiré par la démarche de ces historiens, je me suis alors mis à chercher ces mêmes similitudes entre fiction et réalité avec tous les autres personnages du conte. Le lapin blanc, toujours pressé avec son monocle sur le nez, serait en réalité, de mon point de vue, l'avocat de la famille Ludwig Dodgson, qui avait la particularité d'être souvent en retard. On retrouve ce rôle d'avocat à la toute fin du film, lors du procès d'Alice. Le Lori, qui est un petit perroquet, le canard, l'aiglon et le dodo dans cette course saugrenue ont également une transposition réelle. En effet, nous savons que l'auteur racontait principalement ses histoires lors de promenades avec de jeunes filles et parfois entouré d'amis. Lorina en Lori, le révérend Duckworth en canard, Edith en aiglon et l'auteur lui-même en dodo. Et pourquoi ce choix du dodo pour l'écrivain? Eh bien, il faut savoir que Lewis Carroll avait du mal à prononcer son véritable nom, Dodgson, car il était bègue. Mais nous y reviendrons plus tard. Bill le lézard représente le monde ouvrier. Il est manipulé et sacrifié ici par les nobles, à savoir le lapin blanc et le dodo, pour affronter Alice.
C'est en fait une référence à un fait historique que l'auteur, selon moi, condamnait. De 1850 à 1860, les accidents du travail constituaient la cause principale des décès des jeunes adolescents. Et ici, Bill, tout comme ses adolescents, n'y survivra pas. Le morse, qui prétend inviter des petites huîtres à déjeuner pour ensuite les dévorer, représente probablement le directeur d'un orphelinat avide d'argent. En effet, les industriels, au début du 19e siècle, cherchaient des opportunités de faire des affaires. Les directeurs des orphelinats faisaient embaucher ces orphelins comme apprentis. Cette main-d'œuvre peu chère servait aux industriels et faisait les beaux jours des directeurs, qui plaçaient l'enfant pour un prix allant jusqu'à 10 livres par tête. Dans le jardin aux fleurs, ces dernières rejettent Alice car elle est une petite fille. Ce jardin est sans aucun doute celui de l'église de l'université d'Oxford, où aucun enfant ne pouvait aller se promener, contrairement aux adultes qui s'en donnaient à cœur joie. La présence d'un chapelier fou m'a toujours interrogé. Pour en comprendre la raison, il faut savoir qu'à l'époque, pour la conception de feutres, les chapeliers étaient exposés au mercure, une substance toxique les rendant malades, voire fous. Les premiers symptômes en étaient un langage confus et une vision déformée. Et selon le livre Chambers Book of Day, on pourrait en déduire qu'il s'agit en réalité de Roger Crabbe, devenu un étrange herboriste. Il était dit que Crabbe était tout simplement fou. C'était sans aucun doute le prédécesseur des ermites occidentaux modernes dans son style de vie, tout comme le chapelier fou. Pour le lapin de Mars, il faut chercher du côté de la rue High Street à Oxford. C'est ici qu'on peut trouver un ébéniste qui possédait un magasin de meubles et de tissus d'ameublement, Théophilus Carter. Selon les dires, l'homme était excentrique au point de se tenir à la porte de son magasin, parfois en tablier, toujours avec un haut de forme derrière la tête. Les fameuses roses blanches que les soldats doivent peindre en rouge sont liées à un fait historique, la fameuse guerre des roses, où deux maisons rivales se sont ardemment combattues, les Lancaster et les York. Les deux maisons avaient des roses pour emblème, rouge pour les Lancaster et blanche pour les York. Je me suis toujours demandé qui pouvait se cacher derrière cette chenille savante. Et c'est en m'intéressant à l'entourage professionnel de Lewis Carroll alors qu'il collaborait au magazine The Train en 1856 qu'on peut y trouver un rédacteur en chef particulier, un certain Edmund Yates. Et je pense que c'est bien de cet homme qu'est inspirée la fameuse chenille qui fume à tout va. Lui aussi est caricaturé et photographié avec une cigarette à la main, et il adorait parler sous forme d'énigmes. C'est d'ailleurs Edmund Yates qui proposa à l'auteur, parmi quatre pseudonymes, celui de Lewis Carroll. Et si nous nous attardons sur le roi, cet homme qui semble soumis et silencieux, nous pouvons constater que ce fut le cas du père de l'auteur, pasteur d'un petit village du Cheshire, ayant un goût prononcé pour le nonsense, une forme d'expression littéraire typiquement britannique. Lewis Carroll n'aura plus de lien avec son père après la mort de sa mère. La reine de cœur est représentée comme une femme imposante et autoritaire. Son tempérament est colérique et son autoritarisme excessif. Elle a tendance à donner des ordres arbitraires et à prononcer des sentences de mort à la moindre contrariété. Elle est pour moi une représentation de l'autorité oppressive et irrationnelle. Mais elle est surtout la terrible figure maternelle, une facette particulièrement terrorisante de Frances Jane Dodgson, mère de l'auteur. Car la terreur règne chez les Dodgson. Lewis Carroll n'est d'ailleurs pas le seul à bégayer. Sur les 11 enfants, 7 sont affligés par ce mal. L'auteur souffrira toute sa vie de ce handicap, qui ne le quitte qu'en présence de ses amis enfants. Au dire de Carroll, la reine de cœur représente la passion incontrôlable. C'est une sorte de furie aveugle dont la rage est sans objet, écrit-il en 1887. Car oui, particulièrement dans des cercles religieux dont Lewis Carroll est issu, l'Ancien Testament encourage ouvertement les parents à battre leurs enfants et toute joie de vivre est sévèrement condamnée. Dans les écoles publiques, où l'élite bourgeoise abandonnait sa progéniture, filles et garçons étaient frappés en public lors de rituels de flagellation au caractère ouvertement érotisé. L'injustice prévaut toujours sur la justice, comme en témoigne le monde des adultes illustré par la reine. Lewis Carroll nous sert une métaphore à la fois cruelle et poétique du passage de l'enfance à l'âge adulte.
En grandissant, les enfants intègrent inconsciemment la norme sociale, perdant ainsi l'éclat de leur innocence. Et il faudra attendre des années pour qu'un autre personnage, reflet d'Alice, refuse de perdre progressivement son identité pour le compte des adultes. Une adaptation mature et cachée d'Alice au Pays des Merveilles venait de naître. Mais c'est maintenant à mon invité, à qui je passe la main, de nous en dire un peu plus sur le sujet. Alice au Pays des Merveilles a réussi à traverser les âges et à résonner en chacun de nous. Si bien qu'on pourrait faire l'intégralité du programme de terminale de philo juste en se basant dessus. Parce que Lewis Carroll a réussi à rendre poreuse cette frontière entre fiction et réalité, en mettant donc énormément de lui-même dans son texte, comme Graham vient de vous montrer. Bah alors oui, on a déjà eu des adaptations directes d'Alice au Pays des Merveilles au cinéma, ça va des plus connues et pas forcément les meilleures, aux plus anciennes et assez intéressantes, surtout pour l'époque, comme celle de Norman MacLeod en 1933. En passant par les plus étranges aussi, comme celle de Schenkmeyer, où le Pays des Merveilles devient une métaphore de la dictature communiste en Tchéquie, un an avant la Révolution. Mais pour beaucoup de cinéastes, le roman de Lewis Carroll est devenu une matrice quand leur film parle de la porosité entre la fiction et la réalité, pour que le spectateur soit en fait prêt inconsciemment, devant ses références, à entrer dans un autre monde et questionner justement la réalité. Alors oui, on pense évidemment à Matrix, où Neo doit suivre un lapin blanc. Lapin qu'on retrouve ensuite un peu partout, avant que Morpheus ne cite littéralement Alice. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Et sinon, vous vous souvenez de cette scène où Alice doit passer par une toute petite porte? Bah, c'est une image qu'on retrouve dans Le Magicien d'Oz, par exemple, où le monde est enfin en couleur de l'autre côté de la porte, dans le pays imaginaire. Mais de façon encore plus directe, on a Le Voyage du Chihiro, ou Le Labyrinthe de Pan, qui reprend à la fois cette petite porte, et aussi le terrier du lapin dans lequel Alice entre à quatre pattes. Comme dans cette scène de Matrix d'ailleurs, que Neo passe à peu près entière à quatre pattes et finit évidemment en ouvrant une porte. Ces films nous emmènent tout en bas du terrier du lapin, dans une chute comme dans Le Magicien d'Oz, ou dans Le Voyage de Chihiro où elle commence son exploration des bains tout en bas de l'escalier. On a aussi Ophélia qui descend au fond du trou dans le labyrinthe de Pan, et dans Matrix, voilà ce qui arrive à Neo quand même. C'est une scène qui m'a toujours fait penser à ça dans Alice. Et dans tous ces films, il y a toujours un rapport à l'eau hyper intense, regardez. On y retrouve aussi un peu partout la présence du chat du Cheshire. Cheshire ? Chacha. Soit avec des références discrètes, comme celle-là, ou alors vraiment beaucoup plus directes, comme là. Ce chat du Cheshire qui s'incarne dans des personnages qui vont guider l'héroïne et qui apparaissent de nulle part. Ou alors qui sont juste des têtes qui volent. Et qui ont un peu tous tendance à disparaître pile au moment où l'héroïne leur pose des questions. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, la suite d'Alice au Pays des Merveilles, écrite par Lewis Carroll, s'appelle Au-delà du miroir, comme la suite du film de Burton. Et donc on a souvent des rapports au miroir dans ces films, à commencer par celui-là. On va aussi retrouver des héroïnes qui mangent et qui pleurent, et qui marchent à travers les fleurs aussi. Ou alors qui se perdent dans des labyrinthes, ben, ça peut être de façon très littérale comme chez Del Toro, ou alors beaucoup plus au figuré comme dans Matrix, où ils se perdent dans les bâtiments que réorganisent les agents, dont les sols sont en plateau d'échecs, qui renvoie aussi à Alice au Pays des Merveilles, où il y a une partie d'échecs. Bon, vous attendiez la Reine Rouge évidemment, cette femme habillée en rouge qui devient dangereuse, comme ici celle qui distrait Neo. Après, elle n'a pas forcément besoin d'être en rouge, hein, elle peut aussi être d'une autre couleur. Une méchante reine avec un très mauvais tempérament qui dirige le royaume, comme Yubaba dans Chihiro, et qui est obsédée aussi par le fait de décapiter les gens. Mais qui peut tout aussi bien être un grand méchant, qui veut lui aussi couper des têtes. De façon directe, comme lui, ou on va dire de façon un peu plus figurée.
Des films où on se demande finalement si la plupart du temps tout n'était pas un rêve ou un fantasme, comme Alice qui finit sur son propre réveil. Dans Le Voyage de Chihiro, tout disparaît à la fin derrière elle, même si le temps semble pourtant avoir passé. Et dans Le Labyrinthe de Pan, on se demande si Ophélia est bien morte ou pas, et d'ailleurs elle a des chaussures rouges qui viennent tout droit du magicien d'Oz, qui finit lui aussi, comme dans Alice, sur le réveil de Dorothy, avec sa tante qui lui dit ça. Des films qui mettent toujours le spectateur face à cette frontière entre la fiction et la réalité, où le méchant ne voit pas le faune chez Del Toro par exemple, et où Neo, dans Matrix Reloaded, arrive à utiliser ses pouvoirs même en dehors de la matrice, ce qui pose la question de savoir si la réalité n'est finalement pas elle-même encore une autre simulation. Tous ces films qui citent Alice questionnent perpétuellement notre rapport au réel. C'est le cas du Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, où Ophélia pourrait très bien marcher sur les traces d'Alice pour oublier l'horreur qui l'environne. C'est aussi le cas du personnage de Michael Douglas dans The Game de David Fincher, qui sait plus faire la différence en fait entre la fiction et la réalité, où les journalistes à la télévision se mettent directement à parler avec lui, où la réalité n'est peut-être plus ce qu'elle semble être. Avec en fond la musique White Rabbit, le lapin blanc de Jefferson Airplane. Encore un film qui va nous demander d'aller au-delà du miroir, qui va parler de labyrinthe, de noyade et de dangereuses femmes habillées en rouge. Un film qui va parler d'une chute qui fait sans arrêt la frontière entre la fiction et la réalité. Après, on a des films comme Le Thaïland de Terry Gilliam, qui sont presque des adaptations directes, tellement ils citent frontalement Alice. On a un rongeur qui parle, qui va amener l'héroïne à passer à travers une petite porte, puis dans le placard de sa grand-mère, qui fait office de terrier du lapin tellement il est profond, avant que le monde, finalement, ne se transforme en le pays des merveilles, ou plutôt le pays de l'horreur à partir de la mort de ses parents. Où on a à ce moment, littéralement des lapins partout. Et cette petite fille qui essaye de rentrer dans leur terrier, avant de s'y faire pousser et d'y tomber complètement, entourée des seringues qu'elle devait préparer pour son père Junkie, qui mixe encore la fiction avec la réalité. On a aussi une séquence sous-marine, des têtes coupées qui sont assez perturbantes, et justement une reine rouge qui la poursuit, qui pourrait très bien être aussi le chapelier fou avec son chapeau bizarre, elle qui met la table avec un avatar du lapin de Mars, et que le film va carrément comparer à une Tea Party. Il y a aussi Eyes Wide Shut où c'est assez explicite, qui est tiré d'un roman qui s'appelle littéralement Nouvelle Rêvée, où on sait jamais si on est dans le rêve ou la réalité, avec ces lieux qui se fondent les uns dans les autres, tous qui ont le même sapin et les mêmes couleurs, qui renvoient à celle de l'arc-en-ciel, qui est directement citée dans le film, que ce soit avec le magasin de costumes ou directement dans les dialogues. Ce qui renvoie à Dorothy dans Le Magicien d'Oz, qui part justement de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Eyes Wide Shut mélange aussi la fiction et la réalité, puisque Tom Cruise et Nicole Kidman étaient réellement en couple à l'époque, un couple qui battait de l'aile, et lui était déjà réellement dans une sorte de société secrète, la Scientology, et où le personnage de Nicole Kidman s'appelle justement Alice. My name is Alice Harford. Alice. 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 Et on se retrouve aussi face à un tribunal qui doit décider si le protagoniste doit perdre ou non la tête, ou figurer ou pas. Mais il y a d'autres films qui citent Alice au Pays des Merveilles qui ont des rapports différents avec le conte. Par exemple, celui-ci. Oui, oui, ça paraît étonnant, mais Jurassic Park a bien des citations directes à Alice. Déjà ça. White rabbit object. Whatever it did it all. Mais aussi par cet étrange échange au début du film qui, maintenant que vous connaissez le vrai nom de Lewis Carroll, Dodgson, devrait vous dire quelque chose. Dodgson! You shouldn't use my name. Dodgson! Dodgson! We've got Dodgson here! Le point commun entre Alice et Jurassic Park, c'est quoi? Peut-être un récit où l'imaginaire devient réalité et dépasse complètement son créateur, qui se retrouve menacé de mort par des personnages qui sont issus de son propre rêve, comme Jurassic Park et le rêve de John Hammond, qui arrête pas de mettre en abîme le film en nous le présentant comme une fiction, allant jusqu'à redoubler la salle de cinéma de part et d'autre de l'écran. On retrouve aussi dans Jurassic Park, comme dans Alice, cette énorme pluie qui emporte tout avec elle comme le déluge. On a aussi une héroïne qui marche à quatre pattes, comme dans Le Terrier du Lapin, avant d'y tomber. Ou qui fuit ses poursuivants en courant vers une porte. Et où Spielberg est lui aussi inséré, comme Lewis Carroll, des éléments de la réalité,
puisque la personne qui s'occupe du Triceratops, donc de l'autre côté de l'écran, dans les coulisses, n'est autre que Gérald Hermelin, le producteur du film, qui n'est pas du tout un acteur. Une thématique de brouillage des repères entre la réalité et la fiction qui sera poursuivie par l'utilisation de Dean Cundey, le chef opérateur du film, pour jouer le complice de Nedry, celui qui doit le faire fuir de l'île en bateau, et qui est lui aussi montré de l'autre côté d'un écran, sur une caméra de vidéosurveillance sur l'écran d'ordinateur de Nedry. Un écran qui montrait quelques instants plus tôt un extrait des Dents de la Mer, du même Steven Spielberg. Et avec tout ça, en fait, on sait plus très bien où commence la fiction et où s'arrête la réalité, comme le cirque de puces dont parle John Hammond, qui existait uniquement dans l'esprit des spectateurs. Mais qui est finalement la même chose que le parc jurassique. Le film questionnant ainsi notre rapport au réel par l'utilisation des images de synthèse qui vont justement remplacer le réel, comme le tyrannosaure en CGI à la fin remplace son propre squelette. Ce squelette qui est pour nous la réalité, nos tyrannosaures dans notre monde, le virtuel ayant donc remplacé le réel. Mais le film qui emprunte peut-être le plus à Alice sans en avoir l'air, et pourtant celui qui est le plus fidèle. Come closer. Un film où il va s'agir de suivre un lapin. I met a new friend. Real or imaginary? Imaginary. Said to follow him. Follow him. Where? Vous l'aurez certainement compris, c'est Donnie Darko. Et si vous voulez découvrir notre théorie sur ce film et comment c'est la plus parfaite relecture moderne d'Alice au Pays des Merveilles, je vous invite à rentrer avec nous dans le terrain du lapin en prenant une porte dérobée, celle du lien qui s'affiche ici sur votre écran. Et à nous retrouver, Graham et moi, de l'autre côté du miroir sur ma chaîne, Le Cinématographeur, pour découvrir ça. A tout de suite.